Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir 7 montres connectées à moins de 100€. Mais avant de vous donner l'heure, je vous rappelle que vous pourrez retrouver tous les liens des produits dans la description. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas manquer les nouveautés. Let's go, découvrons tout de suite les 7 meilleures montres connectées à moins de 100€. Si vous ne connaissez pas Wami, c'est normal. Il s'agit de l'une des petites startups rachetées par Xiaomi et qui est devenue la division wearable de la marque chinoise. Avec sa forme rectangulaire, la montre ressemble à une Apple Watch. Ayant les mêmes dimensions, elles se confondent facilement une fois l'écran éteint. En parlant de l'écran, il est doté d'un affichage permanent qui est facile à lire dès que la lumière est suffisante. Cette fonctionnalité permet aussi à la montre de fonctionner pendant des semaines sans charge. Un rétroéclairage se déclenche lorsque vous relevez la montre ou que vous appuyez sur le bouton latéral de droite. La montre est aussi résistante à l'eau grâce à la certification IP68, ce qui signifie qu'elle peut résister à la douche sans problème et à la baignade. L'Amazfit est compatible à la fois avec Android et iOS et ne dépend donc ni de l'un ni de l'autre et est équipée d'un OS léger fait maison. La montre est dotée d'un capteur de fréquence cardiaque, d'un accéléromètre sur 3 axes, du GPS, du suivi de sommeil, d'un capteur magnétique, d'un baromètre et de la vibration haptique. Sa batterie lui permet de tenir 30 jours en utilisation standard. Côté design, le bracelet est remplaçable parmi un large choix de coloris. Et le boîtier en polycarbonate permet à la montre de rester légère et solide. L'écran dispose de cadrans interchangeables via l'application Mi Fit sur Android et iOS. Cette application permet notamment de gérer le suivi de votre activité physique et de votre sommeil. Elle permet aussi une gestion simplifiée de vos notifications. Seul Instagram n'est pas pris en charge. Avec un style bien à elle, la GT de Huawei dispose d'un boîtier en acier inoxydable recouverte de plastique sur le dos et un revêtement en DLC pour protéger l'écran. Tout cela permet d'assurer l'étanchéité de la montre sans pour autant permettre de plonger avec. En surface par contre, il n'y aura aucun souci. Pour l'écran, Huawei opte pour une dalle AMOLED avec une densité d'affichage très correcte. La montre propose aussi une luminosité automatique grâce à ses capteurs de luminosité intégrés. Contrairement aux anciens modèles, Huawei n'a pas opté ici pour Wear OS. Encore une fois, la marque chinoise impose son logiciel maison LightOS. L'OS est compatible avec tous les smartphones Android et iOS. Côté fonctionnalité, on retrouve un capteur de rythme cardiaque, l'analyseur du sommeil, un accéléromètre, un GPS, un gyroscope, un magnétomètre. Tous les résultats peuvent être lus et analysés directement depuis l'application Huawei Health, tout en vous permettant de les partager avec d'autres services, tels que Google Fit, MyFitnessPal ou Up the Jawbone. Enfin, en usage standard, la montre pourra tenir une dizaine de jours au poignet sans charge. Il faudra par contre compter 5 jours lors d'une utilisation intensive. Cette montre connectée est étanche pour la pluie et les gouttes d'eau, mais aussi anti-poussière. Elle est aussi équipée du rappel intelligent, signifiant qu'elle prend en charge le rappel vibrant pour les appels et les messages. La montre est compatible avec tous les smartphones Android ou iOS grâce au Bluetooth 4.0. Plusieurs choix d'interface sont disponibles pour trouver celui qui vous convient. Côté fonctionnalité aussi, la montre est généreuse en vous proposant un tracker d'activité, un cardiofréquencemètre, un oxymètre, un moniteur de sommeil, le contrôle de l'appareil photo et de la musique, différentes alarmes, un chronomètre et l'affichage météo. Côté autonomie, 2 heures suffisent pour recharger la montre complètement. Si elle ne fait pas partie des premières montres qui viennent à l'esprit, elle est pourtant pourvue de beaux atouts pour un prix tout aussi charmant. Elle arbore un joli design qui lui donne un petit côté sportif, mais aussi une élégance qui lui permet d'être passe-partout. Étanche, pas besoin de penser à la retirer avant la baignade. La montre connectée dispose de nombreuses fonctionnalités, certes assez communes, mais qui sont efficaces.
On retrouve donc un cardiofréquencemètre, un oxymètre, un capteur pour les calories, un podomètre, la météo, un rappel sédentaire, les notifications de messages, 7 modes sportifs pour les différentes activités, la gestion du sommeil et la possibilité d'activer l'appareil photo du téléphone directement via la montre. Enfin, côté autonomie, comptez 5 jours au poignet avant la charge. Élégante et discrète, la montre connectée proposée par Nexu s'habille en fonction de qui la porte. Plusieurs modèles hommes et femmes sont disponibles pour s'adapter au look et à la taille du poignet de son porteur. Elle dispose également de plusieurs fonctionnalités dont le tracker, un podomètre, la tension artérielle, la gestion du sommeil, un cardiofréquencemètre, 7 modes de sport, un GPS, un chronomètre, un réveil, un rappel sédentaire, le contrôle de l'appareil photo et de la musique, ainsi que le calcul des calories dépensées. Enfin, côté autonomie, la Nexu propose une excellente tenue puisqu'elle pourra rester au poignet 10 à 15 jours avant la charge. Cette montre propose un look assez traditionnel avec un cadran circulaire. Son atout principal réside dans le fait que ce cadran est interchangeable, tout comme le bracelet. Cette montre connectée avec podomètre s'adapte à toutes vos envies. Certifiée IP67, elle est totalement protégée contre les poussières et contre les effets de l'immersion jusqu'à 1 mètre. En plus du nombre de pas, elle vous donne aussi la distance parcourue et le nombre de calories que vous avez éliminées. Si vous ne bougez pas suffisamment, le tracker vous avertit par le biais d'une alerte sous forme de vibration. La montre enregistre également votre qualité de sommeil et analyse vos différents cycles. Pour configurer la montre, vous pourrez télécharger l'application The Circle 2 sur tous les stores et retrouver toutes vos données. La MyChronos dispose de 5 jours d'autonomie et ne met pas plus de 2 heures à charger. Très fine, la Smart Charm de Samsung va avec tout. Elle est capable de se connecter à tous les smartphones Android sans peine. Son système LCD coloré vous permettra de lire facilement vos mails, SMS et notifications en toutes circonstances. Avec une autonomie de 14 jours, votre Smart Charm vous suivra partout. Elle est également conçue pour suivre votre activité à tout instant et en mesurant toutes vos données physiques telles que les calories brûlées, le nombre de pas ou encore la distance parcourue. Toutes ces données se retrouvent dans votre application dédiée qui vous permet aussi de personnaliser toutes vos notifications pour reconnaître d'un coup d'œil la notification qui vient d'arriver. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver tous les liens des produits dans la description. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas manquer les nouveautés. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles découvertes high-tech. Prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.